Bon, bonjour à tous les amis, c'est Nolly Gaming. On se retrouve sur Call of Duty World of War, la bêta ouverte pour tout le monde. Dans le fond, c'est que si je vous dis ce message, en gros, c'est parce que juste à votre droite, juste ici, il va y avoir une vidéo que j'ai déjà faite sur Call of Duty 2v2, que vous avez déjà peut-être déjà vue. Mais pour ceux-là qui ne l'ont pas vue, puis pour les récents, puis les nouveaux, bienvenue aux nouveaux qui sont abonnés. Fait que. C'est ça en gros, puis l'autre bref, que vous m'avez demandé des retours de diffusion de live sur YouTube. Non, malheureusement, je ne fais plus vraiment de live sur YouTube. J'ai décidé de mettre ça stop pour moi parce que ça devient vraiment très incontrôlable, parce que je bégaye beaucoup quand je prononce mes mots. Quand il y a quelqu'un avec moi qui lit les commentaires, je peux savoir ce que vous me dites, mais quand il y a personne avec moi, je peux pas faire grand-chose, malheureusement. C'est ça que je voulais dire. Puis l'autre chose que je vous avertis, je serai plus souvent en live Twitch que sur YouTube. Fait qu'il va y avoir peut-être plus de vidéos clips ou de captures de Twitch. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. J'espère que tu vas l'aimer parce que j'ai travaillé fort dessus. Vraiment, ça vaut la peine. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu, surtout si t'es nouveau. Fait que c'était Nolly Gaming. On se retrouve à la suite. Amis, c'est Nolly Gaming. On se retrouve sur Call of Duty World of War, un nouveau jeu de la bêta ouverte que vous pouvez tester d'ici maintenant. Il est totalement gratuit. Il vous reste une semaine pour jouer au grand complet. Et la semaine prochaine, vous ne pourrez plus jouer à Call of Duty World of War. Allez en profiter. Il est ouvert à tout le monde. La bêta ouverte. C'est parti. Pour ce nouveau jeu, c'est la toute première fois que je teste Call of Duty World of War. Je ne m'y connais pas trop, mais j'ai joué à tous les premiers Call of... non, pas le premier Call of Duty, mais j'ai joué à plusieurs Call of Duty, compris Black Ops 2. Hein? Vous savez très bien que j'ai joué à Black Ops 2. Bon, sur ce, c'est parti, on commence. Le jeu en tant que tel pourrait les modifier, mais malheureusement, il va rester comme ça. Ça c'est le jeu en tant que tel comment il coûte. Ouais. Partie rapide. C'est quoi partie rapide? Nous avons match par équipe, match à mort par équipe. Domination. J'ai. Domination en 20 joueurs. Intéressant. On va faire du match à mort par équipe. C'est ça qu'on va faire. On va commencer par celui-là. C'est parti. Bon, on va recommencer cette nouvelle game en match à mort par équipe. C'est parti en multijoueur. Hey, je commence vraiment à aimer la bêta. Vraiment désolé parce que c'est mon ancien pseudo PS4. Puis à chaque fois que je me connecte sur un nouveau jeu, vu que je me connecte en tant que ma console, il va savoir que ça c'est ma vraie identité. Mon vrai pseudo en fait. Mais vu que j'avais changé mon pseudo, c'est supposé de le faire, mais c'est pas tellement ben grave. On va mute quelques joueurs, juste pour être sûr d'avoir la tranquillité. Et voilà. Pas le profil. Ah, on joue en domination cette fois-là. Ok, bah c'est parti. Attention. Ils sont où ces cacheux d'ennemis? Oh, deux kills. Oh, c'était bien trop facile. Ils m'ont même pas vu. Je pensais par leur bague. Excuse-moi, je pensais que t'étais un ennemi. Je me suis fait avoir. Ah, dans mon bac! J'ai fait 4 émulations, puis on vient de monter. J'ai aucune idée.
On n'est plus en tête. Ah, pauvre petite mort. Il vient juste d'apparaître dans une game. Chaud la patate. Ouais, un peu. À nous la première place. Continuez. Ah là 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 là. Je commence à l'aimer ce score. Drone ennemi au-dessus. On a entendu un beau silencieux. On a pris la tête. C'est chaud, Nelly, il mord beaucoup là, mais il essaie d'apprendre un peu. Maintenant, ce nouveau jeu, il est sorti depuis le 24 septembre. Mais qu'est-ce que tu... Oh my god, il y en a que c'est des campeurs, mon gars, c'est... Waouh, jamais vu ça de ma vie, des joueurs qui campent sur un nouveau jeu. Et j'aurais pas dû recharger. Drone ennemi au-dessus. Drone prêt pour son vol. Drone allié dans la zone. Balayage en cours. On est à mi-chemin, continuez. Ah là 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 là, j'ai fait au minimum 6 kills. C'est chaud. Il est super agréable à jouer. Sincèrement, je commence à aimer. Vraiment, vraiment très nice. Il y a des petits points à améliorer, oui. Il y a des petites choses à améliorer, surtout les bugs, parce que vu que j'habite dans un village autour d'un champ, vous savez tous, mais il y en a certains qui habitent ici. En tout cas, en gros. En grosso modo, je commence vraiment à aimer Call of Duty World of War. Bon, du coup, peu importe le nom qui a été donné, je sais c'est quoi. Puis j'adore beaucoup le jeu, personnellement. Niveau des tirs, les cadences de tir et tout ça. Ça dépasse un peu vraiment ce que je pensais de Black Ops 4. Parce que sur Black Ops 4, tu restais en mode... C'est soit tu visais, mais en fait, fallait que tu vises, puis en même temps, tu tues la personne. Mais tu sais, on s'entend-tu que en même temps de viser puis de tirer, c'était pas pareil, hein? Bon. Moi, personnellement, je trouve que c'est quand même cool. Puis la qualité d'image est plutôt belle. Je compte m'acheter le jeu peut-être dans le deuxième mois prochain après l'Halloween, parce que l'Halloween j'ai des projets.
Puis je me demande, je m'intéresse au village, dans mon village à moi. Je me suis lancé un défi de porter un costume d'Halloween. Vous savez que je déteste totalement ça, oui. Surtout mettre du maquillage, demandez-moi pas ça, mais mettre un costume, c'est un défi que je dois faire. Ça fait depuis que je suis tout petit que j'ai eu beaucoup de misère avec ça. Beaucoup, beaucoup, vraiment beaucoup. Puis je vous demande toute votre attention. En gros, je vais choisir un costume que moi, il va me plaire. Puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Puis c'est pas mal ça que je voulais dire. Fait que je vous souhaite une bonne soirée. Et je pense qu'on va s'arrêter là, les gens. Vraiment, merci beaucoup à Call of Duty Warfare de m'avoir permis de pouvoir tester la bêta ouverte. Est ouverte pour tout le monde sur PS4 pour ceux qui veulent jouer et Xbox One si vous voulez. Peu importe sur PC et tout, je pense qu'elle est ouverte. Je pense pas. En tout cas, je dis ça comme ça, mais je suis pas sûr de moi. Vraiment, j'ai aimé beaucoup ce jeu. C'est vraiment un truc de fou. Je pense que je pourrais peut-être refaire des petits directs sur Twitch. Ah oui, c'est pour ceux qui savent pas, je vais juste vous avertir d'avance. S'il y en a qui veulent voir mes lives, il sera uniquement sur Twitch. Je ferai mes diffusions uniquement sur Twitch. Pourquoi? Parce que pour une raison très très familière, c'est parce que je me sens mieux quand je fais mes diffusions sur Twitch, mais quand je fais des vidéos, c'est pas pareil. Je sais que j'étais censé de m'améliorer en faisant des lives, mais c'est parce que, en guillemets, je voulais plus embarquer sur Twitch. J'ai décidé d'embarquer sur Twitch pour une unique raison, parce que quand j'ai vu des streamers qui ont commencé à faire des lives sur Twitch, ben j'ai commencé à avoir de l'intérêt pour tout ça. Puis je pense que prochainement, quand j'aurai mon nouveau clavier de gamer, je vais vous faire un petit unboxing de ce que je me suis acheté dernièrement pour mon PC. Fait que c'est ça. J'espère que ça t'aura plu, la bêta ouverte de Call of Duty Warfare. N'hésite pas à la télécharger. Il te reste encore quelques jours à jouer, mais après ça, elle ne sera plus possible à jouer parce que vous allez devoir l'acheter pour pouvoir y jouer. Bon, sur ce, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner, à mettre un petit commentaire de ce que tu en penses puis de toutes les questions que je me suis posées parce que ça vous concerne vous et personne qui joue à ce jeu. Hein? Il y en a peut-être qui jouent déjà, puis il y en a déjà qui jouent pas. Mais vraiment, j'aime vraiment ce jeu, Call of Duty Warfare. Je pense que je vais m'acheter de quoi, un genre de gilet, de quoi de même. Fait que, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Nolly Gaming. Ciao, ciao!